Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est Plegis d'XboxLive.fr. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Sega Mega Drive Classics. Donc c'est une compilation que a développé Mega Drive, enfin développé, c'est un grand mot, mais qu'a développé Sega pour faire cette compile. Donc c'est tout simplement une cinquantaine de ROM qui ont été ajoutés. Et avec diverses options pour modifier plus ou moins l'esthétique, mais c'est pas sur ça vraiment qui va être vraiment intéressant. Ça va être plutôt la partie online, puisque Sega a intégré donc la possibilité de faire du co-op en ligne, et ça pour le coup c'est super cool parce que on ne retrouve pas ça sur les jeux rétro-compatibles. Donc il y a vraiment une différence avec les jeux rétro ou les jeux Xbox Live Arcade sur 360 qui n'étaient pas accès sur le online. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va regarder tout de suite ce qu'on a tout simplement en jeu de disponible. Donc on a les plus grands classiques, sachant qu'on peut mettre des préférences sur les jeux et les mettre en haut de la pile. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est les 5 titres que j'ai sélectionnés, que j'ai mis en favoris. Il suffit juste d'appuyer sur LB. Donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouve donc la série des Sonic, sachant que sur Sega a choisi, alors on ne sait pas vraiment pourquoi, de retenir que quelques Sonic et pas l'ensemble de la série. Donc par exemple, on a Sonic 2, Sonic 1, Sonic 3D et Sonic Spinball. Où sont Sonic 3 et Sonic avec Knuckles? Je ne sais pas. C'est pour moi, à mon sens, des piliers des jeux Mega Drive, mais on les retrouve pas, donc je trouve ça vraiment dommage. Après on retrouve Alex Kidd, Columns, mince, on retrouve les Shinobi, les Gunalax, Phantasy Star, Wonder Boy, qui sont des titres plutôt intéressants et qui ont bien joué, enfin qui était intéressant de jouer sur Mega Drive. Donc ça c'est cool. On a que les Street of Rage, juste incontournable. Donc voilà. Après c'est vrai, effectivement, il manque quelques titres comme Enter Engine ou encore Cool Spot, mais ça c'est plus des problèmes liés à la licence qu'à un oubli de la part de Sega. Alors bon, on peut changer un peu tout au niveau du son, la partie online. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est les défis et les succès. Donc il y a 1000 G au total sur cette compile. C'est pas comme les jeux avec rare replay. Donc là, c'est totalement, on est dans un jeu classique avec quelques succès en fonction des jeux. Donc on a des succès avec des défis. Sega a ajouté des défis dans certains jeux, il y en a 20 au total. Et il va falloir par exemple faire Green Zone en mode miroir, par exemple, en moins d'une minute pour pouvoir déverrouiller un succès. Ou alors collecter 50 anneaux dans Sonic. Voilà, ça va être des succès comme ça qui vont tomber. Et après vous pouvez voir la partie défi. Donc là les défis c'est indépendant des succès. Bon, pas vraiment, parce que on a un succès qui va être de réaliser 20 défis. En gros c'est la totalité des défis. Donc ça va nous motiver à aller chercher certains succès. Notamment il y en a qui sont assez balèzes. Je pense à bon, ça c'est plus vite possible, c'est pas très compliqué. Golden Axe, ça peut être compliqué non plus. Dr. Robotnik, ouais, c'est facile. Columns, je crois que je l'ai eu dès le départ. Il y en a un qui me semblait assez compliqué à obtenir, mais je ne le retrouve pas. Ouais, alors collecter les 123 protons du niveau 2. Bon, on verra bien. Si niveau difficulté aussi, ça peut être un peu plus hard, ou même Shinobi. Mais bon, ça reste des choses assez faciles à lancer. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis après, voilà, le matchmaking. Donc ça c'est cool. Voilà. Le jeu, au moment où je fais la vidéo, le jeu n'est pas encore sorti, donc ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Mais vous avez la possibilité. Donc il y a 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc il y a 25 jeux qui sont jouables en live. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On retrouve par exemple Street of Rage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sonic 2. Bon. Voilà. Alphabet aussi. Dr. Robotnik. Ça, c'est plutôt des trucs intéressants. Les Golden Axe. Par contre, il me semblait Gunstar. Ouais, mais. Il y en a certains. Ouais, Virtua Fighter 2. Pas forcément grand intérêt. Et Wonder Boy. Donc voilà. Moi, je vais lancer une partie. Bon, j'ai déjà sélectionné, donc c'est plutôt cool. J'ai plus qu'à lancer le matchmaking. Donc voilà. Alors j'ai fait une première vidéo où le jeu a planté pendant que je faisais une recherche. Bon, voilà, ça peut arriver. Si le jeu plante, c'est normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on va lancer un jeu hein, pour vous montrer les autres features qu'on peut avoir. Alors le truc qui me gêne, voilà, si vous avez vu furtivement la cartouche, c'est pas la cartouche d'origine, enfin c'est pas le dessin d'origine de la cartouche. Et ça c'est vraiment dommage, c'est juste un vulgaire titre. Donc ça, pour le coup, les puristes, ils vont, je pense, crier un peu. Après, si t'as vraiment envie de l'avoir, les puristes auront la version cartouche chez eux. Alors, au chapitre des petites features intéressantes, vous avez la possibilité d'accélérer le temps ou de rembobiner, comme sur une VHS. Donc là, par exemple, je joue en mode ultra rapide. En appuyant juste sur la gâchette de la manette. Alors par exemple, je veux éviter de mourir là comme un idiot sur le dernier monstre. Hop, je reviens en arrière en appuyant sur LB. Voilà, hop, je reviens. Et ça m'évite de perdre ma vie. Donc ça c'est le petit truc marrant. Et qui peut enlever un peu de difficulté à certains jeux. Après, ça reste les jeux qu'on a connus sur Mega Drive. À tout moment, vous pouvez faire une sauvegarde rapide et la recharger à tout moment comme vous voulez. Donc, ça, bon, c'est un émulateur classique le fait, donc il n'y a rien de nouveau. Si vous maintenez la touche Select, donc on peut choisir différents paramètres sur l'émulateur pour peaufiner un petit peu. Les graphismes, après ça c'est en fonction de ce que vous avez envie. Moi pour le coup je préfère la version d'origine. Vous pouvez jouer aussi en mode plein écran. Et le truc que je voulais vous montrer, donc on pourra initialiser la console, donc ça c'est cool. Et on peut rester en mode télé, donc comme ça. Donc c'est un petit côté vintage. Si vous avez pas de télé cathodique. J'accélère, j'ai pas envie de patienter tant. 10 000 ans. Hop. Ah oui, il y a un moment où il faut que j'appuie sur Start, forcément. Voilà ce que je peux vous montrer de cette collection Mega Drive. Hop. Parce que là, pour le reste, Kid Caméléon, vous connaissez sûrement. À mon sens, cette collection-là est plus destinée aux jeux qui ont déjà eu la Mega Drive et qui ont envie de se faire un trip à refaire la collection et aller chercher des succès ou jouer en coop avec son pote ou avec ses potes plutôt. Sinon à 39,99€, ça reste cher en démat. Vous pourrez trouver la version en boîte à 29€ chez Amazon pour pas le citer. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Je suis fan de la Mega Drive, donc c'est plutôt quelque chose moi qui me touche plus particulièrement. Maintenant, effectivement, je pense que la jeune génération, les joueurs qui sont nés bien après, qui n'ont pas forcément connu cette console, n'y verront pas forcément beaucoup d'intérêt. Surtout qu'il n'y a que 50 jeux qui sont intégrés dedans. Et bon, je trouve que ça fait léger. Par rapport au nombre de jeux qui étaient sortis sur Mega Drive. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur xboxlive.fr. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous!